Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur le plateau de La France a un incroyable talent. Ce soir, nous sommes accompagnés de John Alexandre, 22 ans. Le talent de ce jeune homme est qu'il avale les balles. Donc nous le laissons se préparer, nous allons voir ça tout de suite. C'est nul. Pierrick a 37 ans. Il vit dans la cité d'Altis depuis maintenant 37 ans. Pierrick est atteint de voiturophobie. Le jeune homme s'est fait percuter par une voiture à l'âge de 11 ans. Depuis, dès qu'il aperçoit un véhicule rouler, il panique. C'est un réel handicap pour moi, je ne peux pas me déplacer, je ne peux plus sortir de chez moi sans avoir peur. C'est vraiment dur. Cette semaine, Marc Babybel se rend à Pierre-Gosse pour aller porter secours à la famille Belcouscous, Mahmoud, Jelila et leurs deux enfants. Alors que Mahmoud devait continuer le chantier, il a eu la flemme et a jeté l'éponge. Nous sommes partis à la rencontre de Kevin. À 17 ans, le jeune homme est passionné de tuning. Il a quitté l'école pour se consacrer à sa passion, les voitures. Kevin passe ses journées à utiliser la voiture de sa mère pour, comme il le dit, drifter et impressionner les jeunes de sa ville. Alors moi, mon nom c'est Kevin, mon pseudo sur YouTube c'est Kevin du 75, je fais des displays sur Minecraft, abonnez-vous à ma chaîne et je m'abonne à la vôtre. Donc je suis un passionné de drift, je fais des drifts avec la voiture de ma mère. En plus d'être con, Kevin est raciste, vous allez voir sur cette séquence, il n'écrase que les noirs. Yo tout le monde, c'est Wiz. Avant de vous quitter, je tenais encore à vous remercier, je vais le faire à chaque vidéo je crois. Parce que là vous êtes 1000 à vous être abonné à ma chaîne et c'est juste énorme. Donc du coup, vu que j'ai montré mon cul, j'ai montré ma kikette, qu'est-ce que je vais montrer? Voilà ce que je vais montrer. Je montre mes montres. Je suis plutôt marrant dans la vie.